Bienvenue à tous et soyez bénis, vous à qui l'opportunité a été donnée de nous suivre en ce moment. Une fois de plus, c'est votre sœur Pam. Alors, aujourd'hui, nous revenons avec la deuxième partie de notre entretien que nous avons eu avec le serviteur de Dieu, notre frère Franck Moulaja, depuis la République démocratique du Congo à Kinshasa. Lors de la première partie de cet entretien, nous avons discuté de la situation du coronavirus, comment cette pandémie est gérée dans le pays et comment la population répond à cela. Et aussi, nous avons un peu survolé sur le problème du divorce, de la manière dont ça touche les serviteurs de Dieu et les artistes chrétiens. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter la deuxième partie de cet entretien que nous avons eu avec notre frère, notre papa, Franck Moulaja, depuis la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, voici l'intégralité de cette deuxième partie. Alors, bonjour papa Franck. Bonjour ma sœur Pam. Bonjour. Papa Franck, en tant qu'artiste chrétien, les divorces, c'est une réalité. Vous les voyez dans votre communauté de chrétiens, artistes, comme aussi des pasteurs dans votre environnement. Est-ce que ça se parle? Parce que pour régler une situation, il faut d'abord reconnaître qu'il y a un problème et puis on pose les actes. Mais est-ce que dans votre milieu, artiste chrétien, est-ce que vous le considérez, vous en parlez comme étant un problème ou c'est un problème que vous laissez glisser en dessous de la table? Ben, je veux peut-être vous choquer, mais cette émission est faite au nom de la vérité. Je veux vous dire vraiment la vérité. La grande faiblesse que nous avons dans notre communauté congolaise, c'est que c'est la solitude, en fait. C'est chacun s'occupe de ses propres affaires. Nous n'avons pas la solidarité. C'est chacun pour soi. Dans notre communauté, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et même, quand le malheur arrive ou le divorce ou le conflit chez l'autre, on est aussi de ceux qui allument le feu pour dire « Ah, ça lui est arrivé !» Au lieu de compatir, au lieu de prier, au lieu de conseiller. Donc, c'est vraiment de faiblesse que nous avons dans notre communauté, des artistes, des hommes de Dieu. Okay. Par hasard, si on se voit avec des jeunes frères, on peut glisser un petit conseil, ça se fait. Mais de manière formelle, rien ne s'est fait. Rien ne s'est fait. Waouh! Là, on se pose la question en tant que les enfants de Dieu, parce que la Bible nous appelle à nous soutenir les uns pour les autres. Dans ce cas, où est passé cet amour fraternel dont parle la Bible, dont on prêche aux autres, si en dedans, on ne se soutient pas nous-mêmes? Et ça, c'est dû à quoi? D'où vient cela? Ben, malheureusement, notre culture congolaise nous poursuit jusque dans le sacerdoce. Mm-hmm. Ce que je dis là, ce n'est pas seulement le propre des hommes de Dieu congolais ou des artistes. C'est vraiment le propre du Congolais, hein, que ce soit ici au Congo, que ce soit dans la diaspora. Le problème du Congolais, c'est le manque d'amour du prochain. Mm-hmm. Le Congolais veut plutôt critiquer, il n'encourage pas. Quand tu fais une bonne chose, tu ne reçois pas assez d'encouragement. Mais fais seulement une mauvaise chose.
Ah, c'est là que tu sauras qu'il y a une grande communauté derrière toi. Au point qu'on m'a appris qu'un jour, un artiste, j'ai tel le nom, lui-même a créé un buzz en disant qu'il a fait un accident et qu'il est mort. Et les gens ont écrit en masse. Et puis il a dit, ah, je ne savais pas que vous étiez nombreux comme ça à me suivre. Wow. Donc, c'est dommage. Nous allons continuer seulement à prier que l'amour, notre culture congolaise, nous suit jusqu'au sacerdoce. Ben, c'est un constat amer, mais c'est ça. Merci, Papa Franck. C'est une réalité qu'on doit se dire parce que quand il y a le mal, il faut aller là où se trouve le mal pour le corriger. Et partager cela, c'est déjà un bon départ pour interpeller les autres. Dieu aime la Très famille. bien. Jésus-Christ reviendra trouver les églises, les familles divisées. Et personne ne veut toucher ce sujet parce que c'est très sensible. Alors, je vous remercie beaucoup de cette information que vous venez de donner. Et je crois que c'est vraiment la première pierre que les serviteurs de Dieu, vous en tant qu'artiste, devons utiliser pour combattre ce fléau des divorces dans l'Église de Dieu, avant même qu'on puisse aider ceux qui sont hors du corps de Christ. Alors, vous, en tant qu'artiste chrétien, de votre côté, vu que tout se passe là-bas en carrière solo, quelle est votre contribution solo, personnelle, pour lutter contre le divorce parmi les enfants de Dieu? Je crois que nos vies parlent plus que nos paroles. La vie elle-même est un message. Donc, par la grâce de Dieu, je prie vraiment et je veux gérer mon foyer de manière à servir de modèle pour cette génération. Je sais que je ne suis pas parfait, je suis aussi humain, je suis faillible, mais nous gérons des choses de manière à garder les rudiments de la sainte doctrine de notre Seigneur par rapport à la famille, par rapport au mariage. Mais autre chose, c'est l'opportunité que vous me donnez au travers de ce moment de partager l'expérience, d'échanger. C'est aussi une contribution pour notre communauté. Voilà un peu. Amen, amen, merci. Papa Franck, sûrement vous avez vos enfants, vous avez des enfants spirituels, des jeunes garçons, des jeunes hommes que vous êtes en train de conseiller, vous êtes le mentor, un modèle. Comment est-ce que vous les préparez, ces jeunes chrétiens-là, qui ne sont pas encore mariés? Comment est-ce que vous pouvez les conseiller pour éviter le divorce? Ils ne sont pas mariés. Ils sont encore là. Ils n'ont pas fait le choix ou ils ont même fait le choix. Ce sont des chrétiens. Pour éviter le divorce dans leur vie, après qu'ils soient mariés, comment est-ce que vous pouvez les conseiller à ces jeunes chrétiens-là qui peuvent être en train de nous suivre en ce moment? Ben, c'est premièrement, c'est recommandé au Seigneur par rapport au choix du conjoint. Je crois que quand on a mal choisi son partenaire de vie, on a choisi un problème éternel qui malheureusement peut aboutir au divorce. Nous avons vu des jeunes se marier à peine 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils divorcent. Et donc, il faut vraiment prier le Seigneur et aussi vous, très bien voir le caractère de celui qu'on veut prendre pour l'avenir et bien se lancer dans le mariage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas aller dans le mariage
pour recevoir seulement, mais il faut aller dans le mariage pour donner. Surtout, la Bible dit, il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur à donner. Généralement, nous voyons le mariage, nous les hommes, on s'est dit, bon, j'aurai une femme avec moi en permanence, et j'aurai une femme qui va laver mes habits, j'aurai une femme qui va repasser, qui va faire la nourriture pour moi. Et donc, et un homme de Dieu a dit, pour ça, vous n'avez pas besoin de vous marier. Mm-hmm. Pour les habits, vous avez besoin d'un lavandier. Vous avez besoin d'aller au pressing. Vous n'avez pas besoin d'une... Donc, il faut plutôt se dire que c'est une vie ou un échange. J'ai toujours dit aux jeunes que le mariage, c'est comme nos deux mains. Et le mariage, c'est mettre celui qui a le point fort, il comble les faiblesses de l'autre, vice-versa. Mm-hmm. Et mettre ensemble nos forces et combler nos faiblesses. Amen. Merci, Papa Franck. Merci, Papa Franck, pour ce temps. Mais avant que je vous laisse partir, un cantique pour rendre gloire à Dieu nous fera du bien de vous entendre. OK. J'arrange un peu ma guitare. Peut-être ça peut être un cantique demandé, je ne sais pas. Quelqu'un m'a dit... Quand tu seras à l'émission avec Pam, ne rate pas de chanter ces chants-là. Mambo, kona, yokolo, ekomi pesa motema, penzoto, tamboli sanga inange la nayo. Petena longa etumba makasi namona nkembo nayo eyawe nakopelela nayo ibanga na ngai monene. J'y pas ma toi na yo liboso na ngai te. Bongola ngai na mabe. Yo kamela mongongo na mabondeli na nga. Wana na ko belela yo. Wana na ko tombola maboko. Nana epai na yo, esika na yo ya bule. Awe, kati na maboko na yo kolo. Aye komi pesa motema penzoto. Tamboli sanga na Petinaronga etumba makasi namona nkembo nayo. Ça pouvait pas. Ça pouvait pas manquer. En tout cas, ça c'est la signature. Ça pouvait pas manquer que le Seigneur vous bénisse. Annexe. Ah ben, là, vous dévoilez le cantique demandé. Donc, c'est comment dire, je dédie ce cantique à ma sœur Pam et à notre émission et à tout le couple. Que Dieu nous soutienne, que Dieu nous aide à marcher dans ses voies. Amen, amen, amen. Amen, Papa Franck. Avant de finir, je veux vous demander une chose. Si vous pouvez juste prendre le temps,
une minute pour prier pour ce problème dont vous venez de dévoiler aujourd'hui, qui est à la source de beaucoup de divorces dans les couples chrétiens. L'amour. L'amour. Priez pour l'amour fraternel dans la communauté chrétienne. Et puis, priez aussi pour les couples qui, en ce moment, sont en problème. Et puis, priez pour le pays, le fonctionnement, la situation, comme vous avez rapporté, comment la situation du COVID, ce qui en croit, ce qui n'en croit pas. Alors, si vous pouvez prier pour nous, ça va nous faire plaisir. Ok, on va prier. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux que tu viens de nous donner avec ma soeur Pam et ceux qui vont nous suivre. Nous prions pour notre communauté congolaise. Donne-nous l'amour. Seigneur, tu me dis que rien de grand ne se fera sans amour. Rien de grand ne se fera sans amour. Les Congolais ont besoin d'aimer son prochain. Seigneur, donne-nous l'amour pour notre pays, pour nos familles, pour nos vies, pour nos couples. Donne à nos couples, à nos foyers, l'amour. Aujourd'hui, le divorce vient aussi par problème d'amour. Les familles qui sont fatiguées d'être ensemble, ils veulent voir par ailleurs, il n'y a plus d'amour les uns les autres. Seigneur, je prie que tu sèmes l'amour dans le foyer chrétien. Je prie, Seigneur, pour notre pays, pendant cette pandémie, Seigneur, délivre ceux qui sont malades, guéris les malades et aide nos dirigeants, Seigneur, à gérer ces moments afin que la communauté vive en paix, surtout guérir et que cette pandémie s'arrête dans le nom de Jésus, que la vie redevienne normale. Nous avons besoin de te louer, de t'adorer dans la grande assemblée. Merci pour ces moments que nous venons de passer au nom de Jésus. Merci pour cette émission qui bénit les familles, qui rend cette émission encore prospère. Pour le bien de famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Papa Franck. Que Dieu vous bénisse. Et à vous tous qui nous suivez, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez-nous les pouces d'appréciation. Et puis que notre Seigneur vous bénisse en excès.